Donc salut à tous, bienvenue pour ce petit live de la rentrée. Tranquillou, on va papoter un petit peu. Tu m'invites sur la chaîne pour les zombies. Eh ben, je sais pas encore, faudra qu'on voit ça. This is Dave. Allez, bon, on va essayer de jouer un petit peu. Je vais essayer de jouer un petit peu, suivre le chat en même temps. C'est pour ça que je voulais que Pesca soit là. Et parce qu'elle m'aide à lire les messages. Et mais oui, j'y essaie carrément. Carrément, carrément. Il faut qu'on se fasse des petites sessions. Alors, j'espère que c'est pas trop fort sur le jeu. Vous me direz. Voilà. Alors, je vais reposer le casque comme ça. Tac. Je sais pas trop. Voilà. Que j'ai un petit truc après avec avec Pesca, du coup je capte le son sur Discord et puis c'est pas toujours évident, c'est un peu un fouillis hein, mais bon. Salut Viello, bienvenue. Mais sur quelle plateforme? Bah là je joue à... Alors est-ce que ça va, c'est parti, commencer, charger option, c'est parti. Voilà, ce soir je joue à l'Odyssée d'Abe. Salut Kirito, et ben ça va bien. Je joue, bah voilà, un joueur. Et des Abe ensemble. Non, voilà, je joue à l'Odyssée d'Abe sur PS1 avec une vraie. Une vraie PS1. Vous avez une image qui n'est pas terrible, terrible que je vous balance, mais. Oui, Pesca, c'est la secrétaire. Donc en fait, voilà, j'utilise un boîtier, moi, qui me permet de. De passer, on va dire, l'image. Enfin, j'ai un boîtier qui me permet de relier plusieurs Peritel, et puis après il y en a une seule qui va sur la télé. C'est un super boîtier. J'ai toujours dit que je ferai une vidéo dessus, puis j'ai jamais eu le temps, jamais pris le temps. Donc, j'espère que c'est pas trop fort sur le jeu. Vous me dites si vous m'entendez bien, tout ça, tout ça. Et donc voilà, je joue sur PS1. Bon, je joue aussi sur PS3 et PS4. Ouais, PS3 parce que j'ai trouvé il y a pas longtemps Rayman. C'est lequel, le Legends, je crois. Je crois que c'est Legends. Salut Retro Rider. Ah bah ça fait bien plaisir de se retrouver, voilà, un petit peu en live. On va essayer de tenir, je sais pas, une heure, deux heures. Real Server et la Dreamcast. La Dreamcast, elle est là, mais elle est pas branchée. Je l'ai pas encore branchée. J'ai pas de, je dois pas avoir de jeu dessus. J'ai Resident Evil en Jap. Et Fade to Black en... Non, Flashback en Jap. Donc du coup, la console, elle est pas japonaise. La Dreamcast n'est pas japonaise. Ah, salut Geoffroy. Bienvenue. Salut John. Et Krivin aussi. Je te dois toujours des photos. C'est presque prêt. C'est presque prêt, Krivin. Je t'oublie pas. Tu vas te dire, il se fout de moi, Cyril, avec un échange super long. Alors, Pesca est toujours pas là. Elle va nous rejoindre après. Mais du coup, Krivin, je sais pas trop si je prononce bien Krivin, je crois. Mais j'oublie pas. On sait ce que c'est pour streamer avec la PS1 et la PS2. Ah oui, pour streamer avec la PS1 et la PS2, c'est très très bien OBS. C'est un peu l'usine à gaz au début, donc s'il y en a qui veulent se lancer là-dessus, faut pas hésiter à me demander. J'avais fait des captures d'écran, de mes réglages et tout. Moi au début, il y a Babal qui m'avait donné un bon coup de pouce, mon tout premier live, je me souviens encore. Il est encore en ligne sur la chaîne Twitch, c'est rigolo. Je crois, il me semble que c'est le premier. Peut-être pas, je sais plus. Mais en tout cas, il m'avait filé un bon coup de main, il faut un petit coup de main, voilà. Hey, salut Heartbreaker TV, bienvenue, un petit coucou vite fait. Yes, les trouvailles dans la poubelle. J'ai vu qu'il y en a qui doutaient, hein, qui disaient ouais, bah d'accord, bonjour Mytho, machin. Bah après, moi je vois pas l'intérêt de raconter des cracks, enfin, c'était tellement improbable que ça m'arrive. C'est un peu comme le Game & Watch en boîte que j'avais trouvé en brocante. C'est, enfin, je sais pas, mais voilà, il y a des gens comme ça qui ont de la chance, puis il y a des gens qui ont pas de chance. Enfin, moi je, voilà, j'ai jamais gagné de grosses sommes au loto ou je sais pas quoi. Salut Balibalo. Donc, quand il y a un truc comme ça qui vous arrive, c'est la fête, quoi, c'est champagne. Donc c'est cool. Krivin, oui, j'ai vu Krivin, t'avais trouvé une télé, mais voilà. Mais oui, mais il faut pas désespérer. C'est pour ça que j'avais même trouvé, j'ai mis sur la page Facebook, j'ai pu récupérer un magnétoscope à la benne, à la déchetterie. Bon, voilà, comme j'expliquais sur Facebook, la dame disait, ouais, normalement, on doit pas récupérer, machin, mais bon. Bon bah, j'ai demandé gentiment, elle a bien voulu, je lui ai dit écoutez, s'il marche pas, je vous le ramène quoi. Je l'ai branché, il marchait. Il y avait la télécommande avec. Voilà quoi. Salut Volka, Eminem, bienvenue.
Ma Dreamcast, ma Super Nintendo, ma 360. Oui. Ah oui, sur la télé. Oui, bah oui, c'est aussi ce que je me dis, hein, Heartbreaker. C'est bon, après, voilà, on peut pas empêcher les gens de pas croire. Enfin, je le savais depuis le début que j'ai commencé ma chaîne, je sais bien que je peux pas plaire à tout le monde. Bon, voilà, on va démarrer le jeu, c'est parti. Abe, il va se transformer en sandwich. Bah oui, JSN Gamer, voilà, une petite Xbox. Tout le monde, il y en a beaucoup, en fait, c'est ça le truc, c'est que beaucoup de personnes... Trouve des choses, après tout le monde n'en parle pas forcément, quoi. Après, c'était rigolo, quoi. PlayStation 1, c'est nul, DC Legends. Alors, il y a des trucs qui sont pas terribles. R1 en français, tout en appuyant sur gauche ou droite. Alors, ça, c'est pour courir. Tic, tic, tic. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le tuto. Alors, il y a longtemps que j'ai pas joué, hein, donc je me souviens qu'il y avait un truc pour sauter. Voilà. Donc, ça me fait. Ah, directoire, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Pour te hisser, place-toi. Ah oui, c'est ça. Oui, une première du nom Pro Zombie. Fait un de mes jeux préférés de la PS1. Ah bah c'est cool, Volcaminem. Il y a plein de jeux sur cette console. Oula. Ah oui. Qui ne croient pas sont en général jaloux. Ouais, ceux qui croient pas sont jaloux, peut-être. Ils aimeraient peut-être bien effectivement trouver. Ah, hop, monte. Voilà. Oui, il faut croire. Alors, il faut croire en ses rêves. Après, si quelqu'un vous conseille d'aller jusqu'au bout et de vivre vos rêves, bon, faites attention, les conseillers ne sont pas les payeurs. Hein. Hop, je vais me faire dézinguer. Oui. Voilà, c'est bon. Hop. C'était ça le bouton pour sauter. Je veux dire par là que... Voilà, hein, quand on veut... Oui, c'est bon, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Il faut... Pour passer discrètement à côté d'un... Sleek endormi, appuie sur R2. Il est trop tard, je l'ai réveillé. Du coup, il a tapé l'autre. Moi, j'ai trouvé 20€ dans une poubelle. Est-ce que tu as joué au Crash PS4? T'en penses quoi? Alors, j'ai pas vraiment joué. Chez Molto Shmups, il l'avait lui sur la PS4. Il m'a voilà, le crash sur PS4. Il m'a dit bah tiens, il était en train d'y jouer. Tu veux le tester? J'ai testé. Et en fait, il y a une latence pour moi. Il y a une latence dans la manette. Ça m'a perturbé. C'est-à-dire que le premier niveau, enfin, oups. Bon, c'était la petite blague. Salut Warfirst, mais c'est de la folie, mais bonsoir tout le monde, j'insiste, hein, bonsoir tout le monde. Alors je sais pas, ah ça y est, Pesca nous a peut-être rejoint, elle est peut-être en train d'appeler apparemment, vous seriez seul dans cet appel depuis plus de 5 minutes. D'accord, donc non mais vous inquiétez pas, c'est raccroché, ça doit être bon alors, voilà. Bon je voyais le truc qui buguait. Donc il y a une latence pour moi sur Crash Bandicoot sur PS4. En fait, tout bêtement, hein, sur le premier niveau, je me suis fait tuer par une pauvre tortue, là, ou je sais pas quoi. Donc, il y a problématique, quoi. Alors, là, donc pour moi, il y a problématique, quoi. Salut, Gemstore. Ça fait une Xbox en plus. Je kiffe Jean-Kevin, un peu aigri. Ça va passer. Il y a eu Jean-Kevin et il y a eu... C'était quoi le balance ton youtubeur Where First, il va pouvoir nous dire. Alors, on va passer tout doucement. Voilà. Ah, ok, d'accord. Hop. Croyons nos rêves, ça me rappelle quelque chose. Allez, hop. Voilà, je suis passé. C'est la rentrée sur YouTube. Oui, carrément, c'est la... je peux pas l'attraper la corde. Bon d'accord. Mon victime 1, oui je sais, il aurait pas fallu que je le désingue. D'avoir du monde, t'as rien contre les aigres. Oui, il y a du monde ce soir, c'est cool, c'est vraiment cool. Le remède. Ah, et ben, j'ai loupé un message de Mike Pizza. Sinon, salut Mike Pizza, bienvenue, voilà, c'est cool. Merci de nous avoir rejoint. Je sais pas s'il y a longtemps que t'es là, c'était depuis le début ou quoi. Oula, doucement. Mike, je le rappelle, qui est... Oula. Non. Ah. Je suis mort? Oui, je suis mort. Avec l'OST des Seigneurs... Oh, Boudiken, merci! Ça, c'est bien, ça. Partir en vacances avec l'OST des Seigneurs d'Outre-Monde. Ah oui, moi, je l'avais... Oui, c'est vrai que nous, on allait aussi en convention de temps en temps. On allait... Bah, où c'est que je suis? Ah, voilà. J'emmenais dans la voiture, on avait la BO. Zut, j'aurais pas dû le réveiller, lui.
J'avais la BO aussi dans la voiture quand on allait en convention. Salut Fox, alors Pesca n'est pas encore là, elle va pas tarder à arriver. Mais salut Fox, je suis en quelle classe Cyril? Je suis en quelle classe? C'est la rentrée, je suis en classe PS1. Et ça se passe pas trop mal, ça se passe pas trop mal. Tout va bien. Non, rien du tout, je suis tristesse. J'ai pas su si tes profs sont sympas cette année. Oui, les profs sont très sympas. Alors, je suis sûr qu'il va falloir que je revienne les chercher après les autres. Qu'est-ce que j'ai plus? Mon emploi du temps, il est cool. Oui, l'emploi. Alors, l'emploi du temps, il démarre très très bien cette année. Hein. Non, faut pas que je touche à ça. Il va me dézinguer. C'était quoi le délire? Ah oui, c'est ça. Tac. Seulement 1236 accidents. Bien d'arriver. Ah, ok, ça marche, My Pizza. C'est cool. Bah, merci d'être là. Il y a du beau linge ce soir dans le chat. Oui, c'est cool. L'emploi du temps, oui, il est vraiment cool. Hein. Cette année, voilà, l'année dernière, c'était un peu compliqué. Là, c'est bien, c'est bien. Salut, Quiet Shadow. Bah, merci d'être là. Ça devrait aller, à défaut d'avoir l'estomac. Bien un vide-grenier. Tu ferais bien un vide-grenier, mais lequel Paul? Les vide-greniers, faut en faire pas loin de chez soi. Hein. Voilà, faut faire ça autour de chez soi. Et puis, c'est pour pas que ça coûte trop cher en déplacement. Mais... Ah bon. Bon, bah, je savais pas à quoi ils servaient les oiseaux. J'ai dû louper un truc. Incompris au premier cours qu'on a eu. Ah, James Store. Bah, faut que j'attende de se retourner. Je pense aller au VG autour ce dimanche. Donc, si jamais tu peux venir me chercher ou inversement. À James Store, ça dépend si c'est bien... James Store, c'est bien... C'est bien, je sais qui c'est ça. Mais il faut. Tu m'avais dit. Je sais plus où c'était. Je sais plus le nom du bled. Hop là, vas-y, cours. Oh, pourquoi il y a un mur? Bon, râpé. Merci, salut Yaya. Merci d'être là. Question sur la baston en VG. Eh bien oui, ça y est, c'est la rentrée. Voilà, j'ai. Je sais qu'il y avait, je crois que c'est Viello qui disait, Cyril, le mec, il est ultra régulier, il sort pas de vidéo pendant 2 mois, puis d'un seul coup, il va t'en sortir 10, voilà. Donc c'est vrai, oui, c'est un petit peu ça, mais quand on aime, on compte pas, voilà. D'avoir la chance d'avoir un ami comme Cyril sur place et l'envoyer pète, faut pas être malin. Ah, bah ça, après, moi, je juge pas, hein, bon... Que ça, voilà, moi c'est ça, voilà, ça m'a fait chier évidemment hein, sur le moment où voilà, Polo il avait été extrêmement généreux avec moi, donc on n'efface pas quelqu'un comme ça, voilà, donc bon après, ben c'est comme ça. Donc, oui, c'est bien moi. Ouais, ça marche, James Store. Ok, Dorian, bah, tu vois, moi, j'étais pas sûr. Non, mais il y a Senyuki aussi, Senyuki. Hello. Carrément, putain, le follow nous fait Booba. Le gars va finir tout seul. Oui, mais bon, des voitures réglées. Donc, bon, oui, faut que je regarde. Je suis là ce week-end. Faut juste que je regarde les brocantes où on va aller. Et puis, ça va le faire. Ah, bah, y a mes vidéos, si elles manquent, il y en a plein, il va y avoir plein de choses. C'est, des fois, c'est moi qui met du temps à me préparer. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, oui, mais à vouloir trop bien faire, on fait plus rien. Et du coup, voilà, j'essaye de faire des choses un petit peu moins compliquées. Salut, Bilal. Alors, attends, il y a Pesca qui est là. Allô. Il y a Boya qui est là. Salut Boya. Oh purée. Mais il y a du beau monde, c'est clair. Yo. Alors. Bon. Yo, on va peut-être pas faire un live aussi long que 5 heures que la dernière fois que t'as fait avec Ryu ou. Oui, je suis sur Discord. Ryu ou Axel. Alors, comment je pourrais faire? Je t'entends, Pesca, mais du coup, je t'entends pas assez. Je sais pas comment je peux faire. C'est pas toi, hein. C'est moi qui ai fichu le bazar dans mon truc. Ouais, c'est mon côté. Yes. Ah, c'est juste qu'en fait... Ah, c'est... Ah, je sais pas si... Vas-y, si tu... Du coup, si tu parles, toi... Est-ce que je t'entends mieux ou pas? Allô. Ah, non, c'est pas ça. Ah.
Houston, si il a un problème. Non, non, je suis là. C'est juste que je suis pas sûr qu'on t'entende si 5 heures ça passe feu. Encore un canapé Yonzio avec Cyril. Ah, bah, il y a des trucs qui se préparent, mais je pense qu'il a beaucoup de boulot, Yo, sur les lives. J'ai un peu peur qu'on t'entende pas, en fait, Pesca, sur mon truc là. Je pense que j'ai tout pété. Ah, attends. Est-ce que vous m'entendez? Je vais remettre comme c'était avant, attends. Du coup, je vais garder le son. Voilà. C'était un peu pas terrible, sinon je t'entends pas bien. Comme ça, voilà. Tu m'entends là? Tu m'entends toujours? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu peux me mettre en wifi? t'as tout pété, Pesca. Côté, c'est pareil. Non, je suis en train de faire. Pesca a tout pété, voilà. On ne l'entend pas, Pesca, en effet. Alors voilà. J'ai monté. Voilà, ça y est, mais j'ai mis plus fort. Ah, est-ce que vous m'entendez, les amis? Ah, ça lag un petit peu, peut-être. Filtre. Voilà. Bon, c'est du direct live, hein. Voilà. Gain. C'est sans filet. Pouf, voilà, on attaque comme ça. C'est marrant parce qu'à chaque fois, je fais des réglages, des machins, des trucs. Et il y a des fois, ça marche, et puis des fois, ça marche moins bien. Voilà, si tu parles encore, Pesca, si on t'entend. Allô, est-ce que vous m'entendez? Ouais, ça devrait pas être trop mal, on va voir si je mets pas le jeu trop bas. Faut que je relise les messages parce que du coup, j'ai plus rien suivi. Alors, pour une fois que... Attendez, du coup, je suis désolé Cyril, je vais devoir couper 30 vas-y. Secondes de temps vas-y. Me reconnecter. J'arrive, je reviens. Faut pas perturber Cyril, faut qu'il avance dans le jeu. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. je parle crois de que le thème de ta... Sur Facebook, hein. Et enfin, c'est le club des ratisseurs ce soir. Oh. Oui, face, il clash tout le monde. Mais non. Hop, on peut afficher ça. Tac, voilà. Oui, le 15, je vais sur Marseille pour 4 jours. Il y a des boutiques à voir. Ah, sur Marseille, on m'a laissé entendre qu'il y avait beaucoup de boutiques. Le club Pixel Day 2019. Ah, Pixel Day. Voilà, faut venir à la Pixel Day. On en reparlera, mais faut être à la Pixel Day. Tu pèses dans le game, SB, ma sanctuaire. Toujours. Moi, je t'entends, la Pesca. Tu m'entends? Ok. Ouais, je t'entends. Bon, bah voilà. C'est juste que j'espère qu'on t'entend bien sur le chat. Sinon, je vais monter encore. Allô, les amis, est-ce que vous m'entendez, Houston? Nous avons un problème. Non, normalement, j'ai monté ton volume. Je vais le monter encore un peu. Toc. Voilà. Alors, j'espère que c'est pas trop fort. Je le vois dans le bidule, moi. J'espère que le jeu, on l'entend un petit peu encore. C'est pour... Voilà, bon. Non, il n'y a rien à Marseille, il faut pas venir rester chez vous. C'est un petit peu à l'arrache ce soir, mais c'est pas grave. Ouais. Un live sur Nightmare Creatures. Eh bah, prends-en un petit live sur Nightmare Creatures. Peut-être que je vais y jouer après. Parce que, en fait, j'ai découvert IG Mag, là, grâce à Skullin ce week-end. Alors, comment je vais faire? Ah, mais il dormait. Oh zut, il dormait le bidule. Est-ce qu'il va redormir là? Ah, non! D'accord, ok, j'y retourne. Si tu seras. T'as pas répondu si tu seras à la Pixel Day 2019. Si c'est pour moi, oui, je serai à la Pixel Day 2019. Ah, zut, ça va pas le faire. Tac. Bon, pas que le dimanche. C'est les mudocons. Les boutiques sont hors de prix par chez nous. Désolé, ensuite, faut payer le soleil. Bonjour tout le monde. Bon, alors du coup, de quoi ça a causé? Est-ce que ça a commencé à parler vide-grenier, tout ça? Attends, mais le live était même pas commencé, qu'ils étaient déjà en train de papoter sur le chat, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Ah, d'accord, ils étaient au taquet. Ah, mais carrément, au taquet, quoi. Voilà, donc j'espère que tout le monde entend bien, aucun problème, je suis encore plus au sud, c'est mieux République, donc encore plus cher. Bon, tu fais pas de vidéo en ce moment, Cyril? Mais si, pourquoi je fais pas de vidéo? Mais si je fais des vidéos, j'en ai fait une, là. Alors j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais d'abord j'ai bossé puis ensuite j'étais en vacances, voilà. Et j'avais prévu de faire plein de trucs, paf, voilà, quand j'étais en vacances. Et en fait j'avais pas de wifi, j'avais pas de réseau, j'avais pas de 4G, j'avais un peu de wifi mais à partager, voilà quoi. Ah, donc a priori tout le monde t'entend, ça a pas l'air mal. Ouais, c'est bon. Nickel. Je vais pouvoir jouer. Bon, bah c'est cool, il y a du monde. Ah, mais carrément, c'est la folie, quoi. Cyril est en forme, il joue bien. Oula, ça, c'est un grand mot, ça. Petite soirée de rentrée.
Voilà, c'est on va parler un peu de tout et n'importe quoi. Je sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a pas de thème particulier. C'est juste histoire de se poser, faire un petit peu le point. Peut-être. Oh, c'est pas vrai. J'y suis arrivé tout à l'heure. Donc j'ai parlé juste vite fait de IG Mag. Je remercie Skulline qui m'a offert deux doublons qu'elle avait là ce week-end. Et en fait, je connaissais pas du tout. Bah, évidemment, comme d'habitude, je découvre le truc une fois que c'est fini. Et je me dis, waouh, mais c'est génial. Attendez, il y a Thierry Falcoz dedans qui écrit des articles. Je regarde à la fin, je vois qu'il y a Julien Pirou. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Et en fait, quand on cherche un petit peu, bon, bah oui, c'était du Ankama, c'était... voilà, c'est vraiment... Oh, c'est pas vrai, je l'ai fait tout à l'heure comme il faut. Donc, alors, Bali Balot, tu me connais pas. J'ai mal trop tard. Elle fait quoi de spécial? Elle fait quoi de spécial, la meuf, déjà? Je te remercie pour la meuf. Bah, la meuf, elle c'est dessine. Elle fait des choses, elle aime le jeu vidéo, elle est comme... Oui, voilà. Elle aime le jeu vidéo et surtout... J'aime bien ce que fait Cyril et on s'est connus comme ça par le biais d'un ami commun. Voilà. Et puis, bah voilà, du coup, il m'a gentiment proposé de participer à quelques lives et pour oh, arriver désolé, cette année. Je me fais éclater sur le. Bon. Et du coup, voilà. Et donc, il y a un lien dans la description pour ceux qui voudraient voir ce que tu fais. Voilà. Donc, il y a un petit lien gentil. Pour. Bah, tout, bah, comme toujours, voilà, je mets le lien. Les bouts de barbac, hop, voilà, c'est parti. Il y a le lien, je vais la passer cette mine parce qu'elle me saoule. Allez, concentre-toi, Cyril, c'est pas un moment facile. Mais je l'ai fait du premier coup, tout à l'heure, c'était la chance du débutant, quoi. Alors, ça clignote combien de fois? C'est 1, 2, 3, non, 2, 3, voilà. Ah, mais il va pas me faire avoir Bravo. Par un truc pareil, quoi. Non, mais bon, voilà. On l'entend pas super fort, la demoiselle. Ah, pourtant, j'avais monté, zut, bon, faut que je remonte encore. Salut, Yann Solo. Paf, et ben 14, allez, je vais monter encore. Tac. Allez, voilà. Alors, si tu... vas-y, essaye de parler pour voir, Pesca, ce que ça donne. Tu parles un petit peu... Dis-moi ce que t'as fait... Bah tiens, oui, voilà, pendant les vacances, que... tiens. Je vais monter un peu... Bah, écoute, ton thème, c'était vite grenier, d'ailleurs. On va lancer, un petit peu le thème. Ouais, c'est... Avez-vous trouvé beaucoup de choses sur les vigreniers ah, oui, cette oui, saison? Oui, le thème, enfin, c'est vrai, c'est... Excuse-moi. Mais oui, c'est ça, Cyril. Vide-grenier, braderie. C'est la braderie de Lille, c'est ça. Je voulais qu'on parle de la braderie. J'ai juste marqué c'était la rentrée. Ça, braderie c'est vrai, c'est qu'on on avait dit qu'on parlerait de la braderie de Lille. Donc, oui, parce que je suis allé à Lille ce week-end. J'ai mis un petit mot, hein, vite fait. Merci pour votre retour. À peu près, mais pas super. Voilà, donc j'ai monté. J'espère qu'on entend mieux Pesca. Oui, France. Ils entendent mieux. Ah, c'est cool. C'est bien, impeccable. Voilà. Alors attendez, on va se la refaire. Voilà, on va refaire ça comme ça. Ah, ce qui est bizarre, donc Cyril, braderie de Lille. Ouais, petit, braderie de Lille. Petit point alors. Est-ce que, donc comment c'était? C'était très bien. Moulfrit. Allez les bébêtes là. Hop, on descend. Moulfrit, très bien. Mais après, c'était vachement épars. C'est-à-dire qu'il y avait des trous partout de folie. Un coup, t'avais des exposants, un coup, t'en avais pas. Enfin, du coup, je l'ai filmé un peu. Ça, c'est assez déroutant. Heureusement que le samedi matin, on est allé faire une autre brocante... Hop là, un peu à côté. Oh zut, J'aurais pas dû faire ça. Je viens de faire tuer un mute de con. Mais je sais pas. Mince alors. Ah c'est peut-être ça. Alors il faut en que même je temps, sois tu là. Tu vas pas le finir aujourd'hui le jeu. Non, c'est sûr. Si mais alors si je fais ça, ah ça fonctionne pas. Il y a comment Jason qui dit t'as juste mangé des moules à Lille. Ouais moules frites. Oui moules frites et. Cyril, oui, Pesca, tu diriges Cyril, sinon il se disperse. Oui, c'est tout à fait ça. j'ai tendance, on m'a dit, comment on m'a dit, c'était... À faire des... Ah, ça a un nom en plus quand on part dans tous les sens. Des digressions, ah, tu voilà. Tu te disperses. Ouais, c'est ça. Je fais des digressions. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai, hein, c'est tout à fait moi. Dans le chat, c'est Lucien. Alors voilà, ouais, tout le monde... Cool. Tout le monde part du coup sur le sujet. Bah moi je trouvais j'en ai fait quelques-unes cette année pour le coup, enfin pendant la saison, pendant l'été là, et ouais. Je sais pas ce que vous en pensez tout le monde parce que ça dépend aussi des régions. Je sais qu'en Normandie il y a beaucoup de, bah il y a beaucoup de gens qui font du game et dans le rétro game. Donc voilà, à moins de se lever à 5h du matin, on trouve pas grand-chose dans les brocantes et ouais. Bah du coup chaque fois que j'en faisais, je ne trouvais pas grand-chose, mais bon, peu importe, c'est toujours sympa d'en faire. Mais je sais pas du coup de quel côté de France vous êtes, et si de votre côté à vous, vous arrivez à faire de bonnes affaires encore sur les brocs. Du coup, je ne sais pas. Cyril, toi, est-ce que tu as trouvé quelque chose d'intéressant à Lille déjà? Alors,
À Lille, oui, j'ai trouvé des petites choses sympas. Le problème, c'est que, bon, j'y suis allé un peu en balade. Salut Florian. Et la concentration, ça fait pas mon ménage, non, effectivement. Bah, en fait, le truc, c'est C'est pas que j'ai trouvé. facile d'être multitâche en même temps. Non, 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 mais ça va le faire. Surtout pour un garçon. C'est. Mais en fait, j'ai trouvé plus de choses sympas sur la braderie qui était à côté. Ah, ça me saoule, je sais pas comment je peux le passer, ce truc-là. Sur la braderie qui était à côté. Plutôt qu'à Lille. En fait, à Lille, bon, on y est allé. Ah zut. Le samedi, on y est allé. Non, c'est pas courir qu'il faut. Ah. Le samedi, on y est allé un peu tardivement, donc je me doutais que j'aurais rien trouvé. Le dimanche, encore plus. Non, le dimanche, on y est allé plus tôt. Mais bon, alors, je comprends pas ce que je dois faire là. Ça me saoule. Je crois que tu dois le réveiller, tu vois, le machin en bas, je sais plus comment ça Ah, s'appelle, mais il il va traverse pas. s'énerver. Tu vois, tu dois descendre. Ouais, mais il traverse pas Tu la dois. plaque où j'ouvre. J'ouvre une plaque et il y va pas. Hop, C'est tu ça dois qui. courir. Ah, j'ai couru. Ah, Ah, je dois courir et non, monter sur la dommage. plateforme. Ok, ça y est, j'ai Ouais. compris. Il a compris, le gars. Il a compris. Donc oui, dans Franchement, le c'est chat, pas le c'est. jeu facile à faire en même temps qu'un live. Donc, Oh ouais, mais c'est un jeu de je vais essayer de plateforme. t'aider. Enfin, plateforme par tableau. Moi, j'aime bien ces jeux-là, donc ça va venir, quoi. Tu vas pour faire de quoi? De comme à faire? De comme à faire? En broc, si on n'est que fixé sur un thème, oui, comme c'est dur dur de nos jours. Oui, effectivement. Le truc, c'est que non, justement, j'ai pas trouvé que des jeux vidéo. Je suis tombé sur des figurines, par Hello. exemple. Alors, je vais essayer un truc parce que par contre, je sens que ça va pas le faire. Alors, il faut que je cours et que je monte. Ok, bon, on va se faire ça comme ça. Mais donc non, effectivement, si on y va fixé sur un truc, par exemple, c'est sûr, je vais trouver un Suikoden. Trouvera jamais, hein. C'est pas, voilà. Et donc voilà, non, dans l'idée, j'ai trouvé des petites figurines et ça me va très bien, quoi. Alors là, tac, tac, monte. Oh zut, c'était fallait monter. Je pense que le temps où on faisait encore de bonnes affaires à pas trop cher en broc est fini malheureusement. Sauf il y a tout à l'heure une personne sur le chat qui disait que dans le sud on arrivait encore à trouver des choses, mais je pense que pour le coup dans le nord c'est un peu bah c'est mort quoi. Bah, Il y a Prince c'est un petit Actarus peu foutu qui quoi. dit aussi quelque chose de. Voilà, qui est toujours en lien avec les brocantes. C'est vrai qu'il dit le problème, c'est que tu perds ton temps à collectionner ce que tu trouves. Et c'est pas faux. Hein. Après, y a quand on voit aussi le prix des jeux, j'ai vu des jeux qui étaient vendus plus cher que dans les caches. Et justement, comme là, c'était la braderie de Lille, les caches étaient ouvertes. On a fait ça le samedi après-midi. Et j'ai trouvé. Ah bah tiens. Des jeux dans les caches, voilà. Donc après, même d'autres jeux qu'on a pu voir, enfin du jeu, c'était pas pour moi, du jeu sur 3DS. On a vu des trucs qui étaient plus chers vendus par des particuliers que dans la boutique, quoi. Donc quand un mec t'annonce 5 euros un jeu PS3, tu fais ouais, je vais réfléchir, quoi. Faudrait vraiment que ce soit un truc de malade, mais c'est pas le cas souvent. Hein. Donc souvent tu dis ouais, bah j'attendrai de le trouver en Après. cash ou un truc comme ça, quoi. Oui, il y en a un qui disait justement sur, bah sur le chat que tu arrives encore à. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais j'ai eu un bug. Adorez-moi. J'ai eu un bug. En plus, c'était en rapport avec ce que tu disais. C'est pas grave, ça va me revenir. De trouver les. Oui, les jeux sont Ça. vendus plus cher. Les jeux sont vendus plus cher en. Oula, oula, oula. Les jeux sont vendus plus cher par des particuliers que dans les magasins, quoi. Les gens se paluchent sur les prix, quoi. C'est pas ça qu'il faut que je J'ai vu pas fasse. mal de rétro à prix correct et pourtant je vis à 1 heure de Paris. Ah bah tu vois, ça dépend peut-être pro zombie. Ça dépend peut-être bah, de l'endroit, du quota de chance et tout ça. Oui, après il y a ça aussi. Hein. Il y a le facteur chance en brocante, Bon bah c'est beaucoup, quoi. Hein. merci d'être passé Boya, bonne soirée à toi, à une prochaine. Salut Boya, à bientôt. Et c'est pareil, tu fais plus beaucoup de vidéos, toi, Boya. Il a sorti une là, quoi, il y a pas longtemps, je crois. Ah c'était les Yaya. vacances, l'été, tout ça, tout ça. Ouais, Eh t'as ouais, tout eh fait, ouais. hein. Ouais, je suis Ah, dans dans le le Rhône, on Rhône. trouve encore des jeux vidéo, mais il faut se lever, voilà, et tôt et Ouais, un avoir peu un de peu de chance, c'est chance. ça. C'est ça. Moi, les meilleures affaires pour l'instant, je sais pas si c'est votre cas, c'est via des amis ou le réseau. C'est Ah oui, bah encore après les meilleures affaires. t'avais peut-être déjà une collection bien Oui, avancée, voilà. et peut-être tu cherches peut-être quelques pièces que je vois comme The Real Cerber. C'est pareil, quand tu commences à avoir une belle collection, par exemple sur Dreamcast ou Mega Drive, tu finis par en brocante, tu sais que tu trouveras jamais les jeux
qui vont t'intéresser vraiment, du shoot'em up, des choses comme ça, ou voilà, c'est faux. C'est pas en brocante que je vais une Nintendo, un Virtual Boy, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, voilà. Ou alors si, par exemple, j'ai déjà vu par exemple un mec avec une NES en boîte, en brocante. Salut Geoffroy, bonne nuit. Salut Geoffroy, pardon. Ah non, il reste Geoffroy, non. Ah aussi, bah ça marche. Salut. Non, il dit, je dois filer aussi, bonne nuit, mes amis. J'avais loupé, un message, c'est ça. A plus plus. Mais oui, effectivement, je vois les prix, comme je disais, tu vois, un mec, il avait une... hop là, bim. Une... zut, je vais y arriver. Une NES en boîte. Et le mec, tu lui demandes le prix, il fait, 200. Tu vas à République, il y en a 150, quoi. Enfin, ou alors, c'est moi qui ai mal le prix, mais enfin... 200 pour une NES en boîte, c'est super cher. En brocante, hein. Brocante, quoi. Tu fais, écoute, tu vas te la garder, hein, je pense que... C'est clair. Donc, alors, par contre, comment je fais pour... qu'est-ce que c'est que ces oiseaux, là? En brocante, vous trouverez jamais de plus grosses raretés de chaque console ou alors sur un stand de revendeur pro. Ouais. Et encore, j'aime pas trop acheter de gros. J'aimerais pas acheter de gros jeux sur un stand en broc parce que les trucs ils ont été trimballés un peu. Bon, voilà, c'est pas terrible. Ouais, c'est ça. Mais après, on peut quand même trouver des petites choses sympas. Mais voilà, ça y est. Oups. Ah, Jason, t'as trouvé quelle console à très bon prix sur le net? Ouais, c'est ça. Avant, on pouvait faire aussi plein de bonnes affaires sur le Bon Coin, mais ce temps-là est révolu depuis longtemps aussi. Ah. Malheureusement. Ouais, c'est sûr que... Oula. Ah, voilà, ok. Voilà, et Balibalou a raison. Le problème, c'est que quand on passe trop de temps à chercher les jeux vidéo, on passe moins de temps à y jouer, ce qui est dommage. Enfin, c'est... alors, il dit pas ce qui est dommage, mais... ce qui est le principal en plus. Moi, c'est sous-entendu ce qui est dommage, parce que bon... après, ça dépend, il y a peut-être des... plus de collectionneurs que de joueurs. On parlera pour des mecs qui, en plus de ça, essayent de faire des vidéos. Alors, on va tout faire. Non, ah bah, après, c'est mon... c'est, voilà, mais enfin, c'est mon gros... c'est ma grosse difficulté, mais j'ai commencé à écouter aussi l'interview de Axel de la chaîne Green Hill Memories sur la chaîne de Yonzio. Là, il a fait un petit live très très sain. Oh, je me suis fait dézinguer. Je pense que si l'on trouve plus rien en broc, c'est à cause des gars qui font des lives vide grenier. John Logan. je sais pas, parce qu'en fait, je vais encore me faire tirer dessus. Non, c'est bon. Je pense par exemple au Militaria, aux choses comme ça. Enfin, il y a Internet. Enfin, le Bon Coin, à mon sens, déjà de base, c'est ça fait enfin plus ou moins beaucoup de tort aux brocantes, dans le sens où c'est une brocante permanente, quoi. Jeu PS2, ouais. Fighting Force One, Peace en Jap. Mais du coup, les gens se disent, j'ai regardé sur l'internet, j'ai regardé les prix. Ouais. C'est ça vaut de l'argent, Mais non, en fait, si les annonces sont sur le Bon Coin, c'est que ça se vend pas. Les annonces à petit prix, elles sont vendues en un rien de temps. Ça part, c'est vendu. Ce qui est hors de prix, ça part pas. Et donc les gens qui eux veulent vendre en brocante, après ils regardent ça, ils se fient à ça. Ça changera peut-être au bout d'un moment, je sais pas. Mais puisque la preuve, il y a encore des... ça a vraiment augmenté les prix. Je sais pas qui disait tout à l'heure que les jeux Xbox première du nom commençaient à prendre de la cote. Bon, au bout d'un moment, je sais pas, on a plus de sous, quoi. Enfin, ça devient trop cher. Ça devient un truc de luxe, quoi. Oui, c'est ça, c'est après, ça. Après, si t'as des sous, tant mieux. Moi, ouais, je vais me trouver une copine et faire des comptes rendus de vide-grenier. Je suis sûr que ma chaîne décollerait direct. Qu'est-ce qu'il dit, Quiet Shadow. Quiet Shadow. ça dépend comment est habillée ta copine. Effectivement, ça peut être un argument vendeur. Alors, les gens vendent en direct et gratuitement. Les vide-greniers, faut griller la journée et payer. C'est pas pareil. C'est pour ça, il y a aussi... il y a vide-grenier et vide-grenier. C'est-à-dire que... hop là, je suis caché. Je vois par exemple en campagne, il y a des endroits où les exposants, genre les 4 premiers mètres, sont gratuits. Et c'est pour faire aussi venir des gens. Toc, merde, je me suis encore fait éclater.
Il y a des petits villages qui font ça, donc ça fait venir les gens. Donc les 4 premiers mètres gratuits, ça évite de plomber, on va dire, le tarif de la journée. Mais dans les grandes villes, quand les gens ils payent 5 euros le mètre, forcément, s'ils prennent 3-4 mètres, direct, les trucs qu'ils vont essayer de te vendre, ils vont pas te donner des trucs à 1 euro. Enfin, voilà, c'est compliqué, quoi, je veux dire. James Store qui disent au pire Cyril essaye de mettre un décolleté, on verra bien. Mettre un petit short de footballeur des années 80 là. Ah ouais, avec le short tu sais qui remonte le truc bleu tu vois, avec le petit liseré blanc. Super sexy, magnifique. Ouais, superbe. Je suis tout à fait d'accord avec Heartbreaker, les VG Geeks sont de bons plans pour trouver des jeux moins chers qu'eBay. Exactement, parce qu'en plus on peut négocier. Mais c'est comme sur eBay, c'est pareil, il faut farfouiller, il faut chercher. Mais c'est quand tu vois que je trouve des jeux parfois. J'ai réussi à trouver des jeux, on va être à une quinzaine de jeux que j'ai réussi à trouver à République. Je les ai trouvés moins chers qu'ailleurs, c'est qu'il y a un problème, quoi. Donc, c'est juste que les gens, certains se paluchent sur les jeux et se disent « Oh, ça vaut cher, ça vaut de l'argent, quoi. » C'est aussi pour ça que je vends pas de jeux. Parce que quand je vois que dans une boutique côté de chez moi, je peux... Attends, je porte un short... Oui, Balibalo, oui. Il fait ça, Yonzio. Désolé, il y a des trucs qui passent. Mais et des fois, il coupe la caméra pour aller se balader. Désolé. Donc quand tu vois que des fois, je trouve des jeux à 1 euro en boutique, qui va vendre sur le Bon Coin des jeux PS2 à 1 euro, c'est pas évident. Donc, alors qu'on en voit plein en boutique. En boutique, on voit plein de jeux PS1 à 1 euro. PS1, PS2, à 1 euro, 2 euros, voilà. Donc, des jeux à 1 euro aujourd'hui en brocante, c'est presque mission impossible. Mais c'est carrément ça, Thomas. Oui. Thomas, je suis tout à fait d'accord. Mission impossible, trouver des jeux à 1 euro en brocante, alors que... Comment ça s'appelle, les Léa machin, les... Alexandra, truc et son poney magique là. Ouais, c'est. Les jeux dont tout le monde se fout. Et les jeux de foot qui arrivent. Enfin, tu sais, les sous-jeux de foot ou les sous-jeux de basket, ça, tu peux y aller, ils sont à 1 euro, il y en a plein. C'est ça. Mais... Un Sudoken, 2 à 99 euros, c'est cher, mais à ce tarif, voilà. La spéculation sur les jeux, c'est comme dans d'autres secteurs, ça fait le yo-yo au prix, ça finira par se casser la gueule. Oui, je sais pas. Alors après, il y aura toujours pas, des jeux qui seront chers, mais voilà. Je sais pas, une Alpinette à 110 là, le prix, c'est, je pense qu'il s'est jamais vraiment cassé la gueule. Hein. Un combi Volkswagen, vous prenez les premiers Split ou je sais pas quoi, le prix, c'est pas vraiment cassé la gueule, quoi. Mais donc après, c'est. Oh non, je suis caché, il me tire dessus. Mais tu connais Trader. Faudrait qu'on fasse République un jour. Ouais, j'attendais, je devais y aller là, au mois d'août avec JSN Gamer et puis Senyuki, et malheureusement j'ai bossé, donc j'étais vraiment short. Malheureusement. Non mais c'était... La spéculation, ça existe aussi dans le monde des chaussures de ville, c'était exactement pareil, oui, enfin de tout du coup. De oui, bien coup, sûr. De tout. Moi, j'ai vu aussi en brocante, alors ça j'avais pas vu il y a quelques années, des gens qui revendent des capsules de bouteilles de bière. Il y a beaucoup qui vendent ça dans des albums et tout. Ah, t'es sûr que tu confonds pas avec des capsules de bouteilles de champagne ? J'ai regardé ça. Champagne, hein. C'est le champagne. Le champagne, oui. Ah, mais il y a des collectionneurs. Hein. Je savais pas que ça se vendait, ça. Ah, bien sûr. Après c'est comme tout. C'est-à-dire que ça s'échange. C'est comme toute collection. S'il y a des collectionneurs, s'il y a une collection, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de les acquérir. Et je crois que c'est la voisine de mes parents d'en avoir plus de, je sais pas combien, enfin c'est un chiffre hallucinant, quoi. Viens avec nous à Marseille. Ouais, Jordan, je sais, Jordan, je suis deg. D'ailleurs, faut que je pense à en parler sur le groupe. Je devais aller à Marseille prochainement et ce sera pas possible. Non, mais... Des couleurs, Cyril. Là, j'ai pris des couleurs. Non, Balou. J'ai pas le pinceau dans la bouche en permanence. Je suis sûr que l'heure des VHS dans les jeux vidéo, on ne peut rien prédire. Oui, alors il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure combien de temps duraient les cartouches. De toute façon, il me semble que les cartouches, on peut les réparer quand il y a un truc qui déconne dedans. Je sais pas, il y a une espèce de...
de guéguerre entre les... On parle des cartouches hein, de jeux vidéo. C'est ça, non? J'ai loupé un truc. Un jeu vidéo, on peut rien prédire. Ça a coupé. Ouais, c'est ça. Ah, oui. Oui, alors, oui, en fait, ce qui est drôle, c'est que ceux qui ne jurent que par les cartouches... Ah, mais là, je dois pouvoir me planquer, normalement. Pourquoi est-ce qu'ils me tirent dessus? En fait, tiens, je vois la 205 GTI, Yaya, je vais le dire après. Sur les cartouches, si on écoute ceux qui collectionnent les cartouches, les collectionneurs de cartouches disent « Ouais, bah, de toute façon, les cartouches ont une durée de vie plus longue que les disques. » Et quand on lit certains articles sur les disques, alors oui, il y a certains disques comme les laserdisques, il y a eu des soucis avec une usine aux États-Unis, machin, donc il y a plein de laserdisques qui sont morts. Sauf que quand on écoute les pro-CD ou pro-disques, on voit des trucs, les mecs au niveau de la technique disent, ah bah, de toute façon, les disques sont prévus pour durer plus longtemps que les cartouches, parce que les cartouches, il y a des composants, et les composants, eux, vont périr dans le temps. Donc je sais pas, il y a une espèce de... Je sais pas lequel des deux... Lequel des deux vaincra. Pour l'instant, les cartouches, ça a l'air de bien se passer. Mais... Oh, salut Nico. Salut Ninou. Mon beauf Ninou qui est parmi nous. Il est sympa, mon micro. Ninou. Oui, c'est mon, bonjour, c'est mon gros micro. Homo micro. Comment les VHS peuvent monter? C'est tout juste si on nous donne pas de l'argent pour les récup en VG. Les VHS, ça dépend. Ça dépend ceux qui repèrent. Enfin, c'est à la tête du client envie de grenier, quoi. C'est-à-dire que si le vendeur s'aperçoit, vous êtes « Wow, génial, une VHS et tout !» Et le vendeur, il va vous voir venir faire ouais. « Ouais, c'est 2 euros la VHS, quoi !» Enfin, qu'il y a des gens, vous regardez, vous faites « Vous en débarrassez bon, ou vous vendez ça combien ?» Ouais, il y en a qui vendent ça 20 centimes, quoi, la VHS. Je regrette, ce week-end, je suis tombé sur des vieux films de Jackie Chan. J'aurais dû les prendre, je ne sais pas si on peut les voir en streaming ou j'en sais rien. Je sais même pas. Du coup, j'ai hésité. En R2, bah oui, c'est bon. En te déplaçant, il reste immobile. Bah, pendant... Mais il faut en faire... Les vides greniers geeks, c'est très bien, mais il faut en faire en Normandie. Ouais, alors James... Justement, c'est ce qu'on disait, en Normandie, il n'y a plus grand-chose. Ouais, c'est ça. Mais enfin, si, non, après, il pourrait y avoir des boutiques ou des choses comme ça qui viennent faire des vide-greniers geeks, par exemple. Ça, c'est... Ou même des. Ce qu'on entend par vide-greniers geeks, par exemple, moi, j'ai des tas de jeux en double. Ça pourrait être sympa. J'amène mon stock, je le pose, et puis c'est de l'échange direct. Il n'y a pas d'expédition, il n'y a pas de machin comme ça. Je pourrais proposer des jeux à l'échange. Tu vois, ça pourrait être. Pour moi, ça m'arrangerait, une espèce de vide-grenier comme ça. Mais. Alors, question de faire de la vente. Je pense que c'est un peu utopique. J'ai ma frangine qui demande de quoi je parle. Est-ce que c'est... Je parle des brocantes. Je parle des prix en brocante ou des choses comme ça. On trouve plus grand chose et on trouve plus forcément de jeux vidéo. Elle demande si les Barbies ça spécule. Mais oui, les Barbies ça spécule grave. Les jouets anciennes. Ouais. Est-ce que c'est vrai que tu t'es déjà dessiné, Cyril? Est-ce que j'ai un projet de dessiner un... As-tu un projet de dessiner? Non. Dessiner à Pesca. Non. Ah, est-ce que j'ai un projet? Ah, c'est la conjugaison. Un projet de dessiner ça. C'était non, pas. Non, mais tiens, pourquoi pas? Tiens, je pourrais faire ton avatar. Alors, j'ai une personne qui m'en a envoyé un sur Facebook. J'ai dû le partager sur la page Facebook, qui est sympa. Très très sympa aussi. Ah, oui, j'étais ravi. Je me rappelle, ouais, quelqu'un qui t'avait dessiné. Est-ce que tu es pied noir? Non, alors, je ne suis pas pied noir. Ou alors, je ne le sais pas. Il y a Balibalo qui demande aussi si tu t'es déjà battu violemment en vide-grenier. Et non. Désolé. D'un seul coup, le mythe s'effondre. Je sais, le mythe s'effondre. Mais non, je ne me suis jamais battu en vide-grenier. C'est triste. Putain, je suis immobile. Les vieilles Barbie dans leur boîte, ça vaut pas mal cher pour certains modèles. Ah bah tiens, s'il y a des amateurs. Mais moi, j'en ai une de 96 dans sa boîte qui n'a jamais été ouverte. Donc si ça vous intéresse, écoutez, je peux la vendre parce que je ne vais pas en avoir grande utilité. Mais les Barbie, c'est pareil. Enfin, faut imaginer, il y a des Barbie de collection aussi. Hein. Faut le savoir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des Barbies, Barbies de base. Ça peut valoir super cher, de base, il y a des Barbies qui coûtent 50-60 balles. Enfin, et c'est marqué, c'est Barbie de collection. Mais ça fait des années que Mattel fait des Barbies de collection, quoi. Avec, c'est vraiment un truc, une édition de collection spécifique. C'est ça. Ah oui, tu les trouves, tu peux en trouver à Toys R Us. Il y en aura deux d'exposés, quoi, par exemple. Et contrairement aux autres où t'en as toute une palanquée, quoi. 80-90, c'est moi, un vrai bon business. Moi, j'ai des Big Jim en boîte. Il y a les poupées Barbie, 96, mais aussi les poupées Monster High. Les poupées Monster High, si vous connaissez pas oui, ça. Les Monster High, mais ouais. Cool. Bah ouais, enfin, c'était cool, ces petites poupées je crois mode. Il y a des mecs qui collectionnent des Barbie. Et bah pourquoi pas. Bah ouais. Je connaissais quelqu'un qui connaissait un homme qui collectionnait des poupées.
Après, voilà quoi. Donc chacun son délire. Non, je me rappelle plus du tableau de l'autre côté. Ah voilà, c'est ça. Donc il faut que j'avance doucement. C'est arriver, parti hein. Pour les enchères. 30 euros tac, tac, à ma tac, gauche, tac, 30 au, tac, 40 au fond tac, pour la Barbie. Ah, c'est pas possible de se battre avec Cyril. Alors, il y a Florian qui demande si tu as chopé ta PS4 500 millions. Non, j'ai pas chopé la PS4 500 millions. Ah zut, je vais me faire déglinguer. Oh, il aurait fallu que je cours peut-être. Non, la PS4, j'ai hésité à la prendre. Puis après, je sais pas. Puis quand j'ai vu comment ça partait, je fais, ouais, bah je sais quoi. Tiens, oui, Ninou, les chevaliers du Zodiac en boîte, bien sûr que ça, c'est les petites figurines comme ça. Ça se monnaie cher aussi, quoi. Mais après, bon, voilà, on peut pas tout collectionner, donc... c'est quoi la touche pour marcher doucement, déjà? C'est celle-là. Voilà. Donc après, c'est... Voilà, est-ce qu'on trouve encore des bonnes choses en brocante? Oui, on trouve des bonnes choses. Là, allez, on parle de poupées Barbie. Eh bien, par exemple, ce week-end, je suis tombé sur deux... J'ai mis la photo sur Instagram. Deux figurines du film Lone Ranger. Oui, c'est Lone Ranger, je dis pas de bêtises. J'adore ce film avec Johnny Depp, où il incarne un indien. Et en fait, les figurines étaient posées au sol, et je demande au bonhomme, je sais pas, vous les vendez combien? Il regarde, il fait 4 euros pièce. Oh, bah, génial, quoi. Ça doit valoir 25 balles, quelque chose comme ça, quoi. Genre, ah bon? De moi-même, c'est pas cher, déjà. 4 euros? Non, mais elles étaient en boîte, fermées. Blister. Ah, enfin, ah ouais, elles sont neuves. Ah oui. Ah non, elles sont toutes neuves. Usagées, enfin voilà. Ah non, elles étaient neuves. Ah non, elles sont neuves. La manette, alors, t'en as pensé quoi de ces bons revendeurs qui ont réussi à choper 5 que pour la vente? Ah ouais, bah Florian, bah après, oui. Les gens qui achètent pour revendre, bah, c'est comme. Limited Run. Au départ, je me souviens, Lovecraft qui en parlait de Limited Run, il disait, ah c'est génial, il parlait des jeux et tout, c'est vrai, c'était cool, les jeux qui sont proposés sur Limited Run, souvent c'est des jeux sympas. Mais après, le truc, c'est quand on voit que c'est parti en cacahuète, où les mecs, ils achetaient pour revendre, fait bah... ouais, voilà quoi. Fait bon, donc du coup, Balibolo qui veut absolument que tu te battes. En te demandant si en vide-grenier tu trouves un FF7 sous blister et qu'un mec te le prend des mains, est-ce que tu le frappes? Ben, déjà, il faudrait qu'il arrive à l'attraper. il pourrait pas l'attraper. C'est... Non. Il peut pas l'attraper, donc, parce que général, je verrais un truc comme ça, je mets un autre jeu par-dessus à la con ou je sais pas quoi. C'est l'astuce, hein, quand tu vois un truc, tu montres pas aux autres, il faut pas que les autres aient le temps de voir. T'as un carton, tu regardes dedans, tu refermes, tu fais combien le carton? Faut pas que les autres voient. Il y a un sac, tu refermes le sac, tu le tiens, tu fermes. Tu dis rien à personne, tu dis pas ouah, tu cherches pas, tu prends, tu payes, tu te casses quoi. Après, c'est si les toujours, prix sont un peu... L'astuce, c'est de garder les yeux mi-clos, tu sais, en mode ouais. De dire, vaguement intéressé par votre affaire. Et en plus... Un FF7 sous blister. Qu'est-ce que tu veux que je foute d'un jeu sous blister? Voilà. Donc le blister, ça m'intéresse pas spécialement, quoi. En plus de ça. Bonne nuit, Nicolas. Salut, Ninou. Couche pas trop tard. Non, je vais pas me coucher trop tard. Il est 22h. Ça va, il est 22h. Ça va. Alors comment je fais pour le passer? La permission de 22 minuit? Ouais, je pense. Ouais. Eh, vous jouez tout le monde. À la petite famille. Alors. Est-ce que j'ai le temps de passer d'un an? J'ai l'impression que j'ai pas le temps de passer. Là, si j'avance oui, derrière lui. Oui, tu te planques derrière le truc. Ah, mais c'est quand il avance à droite. Voilà, faut que j'attende. C'est pas quand il est à gauche, quand il est à droite. Là, t'as le temps, hein? Non, là, j'ai pas le temps, il se retourne trop vite. Il se retourne trop vite. Là, non, j'ai mais le temps, là, quand il refait. Tac, 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 tac. Ah oui, là, mais ton image est décalée par rapport à. Oui, bah oui, par rapport à ce que toi tu vois. Oui. Tac, 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 tac. Voilà. Je crois que t'as compris. Voilà. Alors dans les jeux j'aime bien aller plus loin, je sais quoi la porte d'après. Oh là là. Qu'est-ce tu joues à quoi en fait Cyril? À Oddworld, l'Odyssée d'Elbe. Maman va crier, faut pas veiller trop tard, tu as école demain. Oui c'est Oddworld. Et voilà par exemple Oddworld est ressorti. Zoup. Est-ce qu'il faudrait que je fasse encore un petit pas? Oui c'est bon. Voilà, hop là. Ils l'ont ressorti en HD.
Ouais, sur... Excellent jeu, si vous l'avez pas fait, vraiment, faites-le. C'est un excellent jeu. Il l'a ressorti en HD, effectivement. Et oui, voilà, mais... Et puis, il faut libérer tous les Mudoku. C'est ça. Donc, pour l'instant, je fais rien, j'avance. Hein. J'ai pas encore commencé à les escorter. De toute façon, tu t'en fous, tu vas pas finir le jeu, là. Non. Déjà, j'en ai éclaté, hein. Je joue sur... Mais non, ça va pas la tête, je joue pas sur émulateur. Je joue avec une vraie PS1. Et en fait, c'est ce que j'expliquais. Faudra un jour que je fasse une petite vidéo pour expliquer ce truc-là. C'est que j'ai une vraie PS1 qui est reliée à un Switch Peritel. Et donc, je relie plusieurs consoles dessus. Et ce Switch Peritel renvoie une Peritel vers la télé et une sortie RCA vers l'ordi. En fait, avec l'ordi, je vous montre la qualité dégueu de la PS1, le fameux composite, la prise jaune. Et moi, je joue sur un cathodique avec la prise Peritel, voilà, en RVB. C'est voilà, en bonne qualité. Et là, je peux pas avancer. Moi aussi, je peux avancer. Oh, pétard. Oups. Oui, il a une PS1. Que t'as une PS1. Oh, la vache, il m'a suivi. J'ai un je sais pas quoi qui m'a suivi. Si j'ai une PS1, j'en ai plein des PS1. J'en ai plein et j'en ai encore à vous présenter. J'ai des... Oh non, faut que je recommence. Oh la vache. Oh, ils sont durs en affaires, les mecs. Faut recommencer loin. Bon, après, je pense qu'on va changer de vidéo, de jeu. Oh, paf, voilà, pif, paf, pouf. Voilà. Bon, ben donc voilà peut-être un petit peu ce qu'on pouvait dire sur les brocantes, les braderies. Bon, on peut trouver des choses encore, on peut se faire plaisir. Je pense qu'il ne faut pas chercher que du jeu vidéo, faut chercher à se faire plaisir avant tout. Et après, par contre, ça reste un bon moyen pour commencer une collection. Je trouve, en brocante, on peut trouver des jeux facilement. C'est-à-dire que. Il y a des jeux par exemple sur DS ou 3DS, ça m'intéresse pas, mais pourtant j'en vois plein, enfin, je vois plein de choses quoi. Donc je pense qu'on peut se faire plaisir encore quand même, mais faut pas espérer faire sa collection que dans les brocantes quoi. C'est-à-dire que faut... Il y a ProZombie qui veut que tu fasses Nightmare Creature. Et bah il est Nightmare, pas loin, faut que je le trouve et puis je vais le mettre, c'est sympa en plus. Alors attention, mais... Cyril va retourner dans son antre. Ouais, je vais aller le chercher. Vous pensez quoi des gens qui vendent et achètent des vêtements en vide-grenier? Ah, qui vendent et achètent des vêtements en vide-grenier. On pense quoi? C'est bien, c'est très bien. Mais même, oui. Moi, j'ai plein de copines qui achètent des fringues pour leurs gamins et tout. Bah ouais. Pas cher. Elle. Mais je l'avais même déjà dit, j'ai... Je te recommande de mettre un jeu plus arcade. Ah, un jeu plus arcade. Ah, faudrait que je teste. Ah, mais attends, je mets un shoot 'em up. Je vais mettre un jeu de flipper. Mais les gens qui vendent et qui achètent des vêtements, bah, si vous... Enfin, les vêtements, après, bah, pour les enfants, ouais. Après, pour les adultes, bah, il y a des gens qui achètent des vestes, des machins, des trucs, je sais pas quoi. Bon, moi, je regarde pas spécialement, mais... 582, vu que tu... Ah, merci, voilà. Bon, allez, c'est parti. Ça va faire gagner du temps. Attends.